les codes sources, je les vends, moi. Non, non, les codes sources, ils sont en libre service sur Rage Zone. Ah oui, c'est vrai, ils sont déjà fait pirater en base de données, eux. Ouais. Genre, on leur disait votre base de données était piratée. Genre, on s'en bat les couilles, j'ai un PowerPoint. C'est pour ça qu'il y a plein d'émulateurs qui voient le jour, mais en plus amélioré. C'est ça. C'est assez sympa le. Comment ça s'appelle? Les subways dans The Nether. Y'a rien? Mais c'est sympa, hein? Je sais pas, j'ai un bug son là, je me suis fait tuer tout à l'heure là par le te. Je pense que si je m'appelle Artemis et que je vais chez DICE, ils me donnent des codes sources aussi. Ah, sûrement. D'accord. Ils vont même te faire un petit chapeau à ton effigie pour Battlefield 4, hein. C'est gentil. Fix the netcode, please. C'est ça. C'est quoi le netcode? Bah, genre, mais. Allez, non, mais je dis, j'ai jamais vu ça dans ma vie, quoi. Les gens, les fans de dev, ils disaient, pourquoi Artemis, que tu vas bien, vas-y, pique le code source, serre-toi, c'est important. Ça au calme. Tous dans la base. Alors que tire la team KV1, elle est toujours présente? Non. Aïe. Attends, elle fait quoi la team KV1 là?